Bonjour, chers participants au MOOC Certi School. Bienvenue dans ce webinaire qui porte sur la pertinence des ressources pédagogiques numériques. En rappel, une ressource pédagogique numérique est une ressource numérique que l'on peut exploiter dans le cadre des activités d'enseignement et d'apprentissage. Et l'objectif principal visé est de faciliter l'acquisition des savoirs par les apprenants. Alors, quant à la pertinence, il faut passer par trois principales questions. La première question est le pourquoi, qui est l'objectif de l'utilisation de la ressource. Alors, est-ce que la ressource pédagogique numérique que je vais utiliser dans le cadre de mon cours me permettra d'atteindre effectivement l'objectif d'apprentissage visé? La deuxième question est le comment, qui correspond à la démarche d'apprentissage adoptée. Est-ce que la ressource pédagogique numérique que je vais exploiter s'intègre dans la démarche pédagogique que je veux adopter dans le cadre de la mise en œuvre de mon cours? Et enfin, le quand, qui correspond au rôle que la ressource peut jouer dans la mise en œuvre de l'activité d'enseignement et d'apprentissage. Est-ce que je vais l'utiliser comme matériau sur lequel je vais m'appuyer pour la construction du savoir, ou est-ce que je vais l'utiliser comme élément pour renforcer les acquisitions des apprenants après la classe? Alors, un dernier conseil, le contexte d'utilisation. Quelle que soit la pertinence d'une ressource pédagogique numérique, quelle que soit sa qualité, il est important de toujours tenir compte du contexte d'utilisation. Trois éléments clés sont à prendre en compte: les conditions matérielles d'exploitation de la ressource, le contenu. Pour s'assurer, il faut toujours s'assurer que le contenu est adapté au niveau des élèves. Et enfin, l'interface lorsqu'il s'agit d'une application. Est-ce que l'interface permet aux apprenants d'utiliser aisément la ressource? Je vous remercie.